Il y a quelqu'un qui en a surpris sûrement quelques-uns d'entre nous, c'est le nouveau chef du Bloc québécois qui fait preuve d'un courage exemplaire et qui est une inspiration pour tous les souverainistes et qui va vivre, qui vit d'ailleurs, je pense, cette année, une expérience tout à fait nouvelle pour lui. Il travaille avec des gens d'Option nationale, avec des gens du Bloc québécois, évidemment du Parti québécois et même des éléments de Québec solidaire, comme je faisais remarquer au tout début de notre réunion. Alors aujourd'hui, il est accompagné par la candidate du Bloc québécois dans cette circonscription. Voici Gilles Duceppe. Merci Raymond, merci à Pierre-Carl également. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire campagne avec Pierre-Carl. Je dis plaisir, j'arrive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que j'ai appris, j'ai pas tout à fait l'accent, mais ma belle-fille vient d'Alma, donc on a fait le tour là-bas, on a fait des bons bouts en vélo également. Pas assez à notre goût, mais quand même, pas même. En campagne, c'est déjà pas pire. On a roulé... dans la vallée du Saint-Laurent, à Gaspé, dans Charlevoix, en Gaspésie, pas uniquement à Gaspé, mais jusqu'à Percé. Puis il nous disait, il n'y a qu'une côte, puis il y a du plat. C'est aperçu qu'il y avait du plat entre chaque côte. Mais on l'a roulé. Puis on avait roulé ici aussi, en tout début de campagne, de l'Assomption à Trois-Rivières. Et un accueil très chaleureux. Partout où on va, l'accueil est très chaleureux. C'est la première phase de notre campagne qui se termine, parce que nous, on avait prévu une pré-campagne. Bon, Harper a changé ça. Et là, je m'en vais la semaine prochaine en Abitibi, puis j'aurai fait le tour complet du Québec. De Mascouche à Havre-Saint-Pierre, où on était cette semaine, les Îles-de-la-Madeleine, où on était très bien reçus, avec Lorraine, qui nous a fait c'était extra... Janine, Richard m'a tombé avec Havre-Saint-Pierre. On a fait un beau 2-3 jours là-bas, 225 personnes. À un cocktail. On est à Sherbrooke, Alma, Laval, Jonquière, on les passe toutes. Des candidats allumés près du monde, c'est la bonne humeur qui me frappe parmi notre gang. Des assemblées partout, beaucoup de jeunes qui reviennent. Alors, ça fait du bien de faire campagne, d'échanger avec les gens. Et les gens nous demandent comment ça se fait que vous n'êtes pas encore ces poteaux. Nous, on respecte le plan de match. On pense qu'il faut parler aux gens, les écouter. On apprend toujours des choses et les gens nous démontrent le traitement inégal que reçoivent les Québécois d'Ottawa. Je donne comme exemple, quand j'étais en Gaspésie pour aux Îles-de-la-Madeleine, on a appris que
comme condition d'obtention de permis d'Océan Canada, ça prenait un GPS. Bon, les pêcheurs québécois l'ont. Ils doivent payer ça, 2-3 000 $, les communications satellitaires à tous les mois. J'ai dit, c'est la même chose pour les autres. Non, c'est pas la même chose pour les autres. Parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des zones réservées aux autres provinces. Hein. Il y a des zones 22, 23. Les poissons ne connaissent pas les zones. Donc, ils peuvent suivre les pêcheurs québécois, mais les autres provinces maritimes, ils sont pas obligés d'avoir le GPS. Ça fait que les autres, ils peuvent se promener. Ça, je savais pas ça. On a appris ça là-bas. Je peux vous dire que, et je leur ai dit, c'était une vieille blague que je faisais, que Boucard Diouf a repris dans ses shows d'ailleurs. Je disais que la pêche, c'est le symbole des problèmes constitutionnels que l'on a. Parce que quand le poisson est au fond de l'eau, il est fédéral, puis quand il est sorti de l'eau, il est provincial. Fait qu'il y a un curieux moment où le poisson a la queue fédérale et la tête provinciale. Fait que, et ça, ça veut dire de la bureaucratie en masse. Donc, pendant que les adversaires sont ses poteaux, nous, on est sur le terrain. Et puis, on a lancé une belle campagne, je pense, la semaine passée, de la thématique « Qui prend pays, prend parti ». Hein? Parce que c'est ça le vote stratégique. Moi, je suis pour le vote stratégique. Je trouve que les souverainistes devraient voter pour le seul parti souverainiste. Il y a deux blocs à Ottawa, il y a le bloc canadien puis il y a le bloc québécois. Hein? Il y a trois chefs dans le bloc canadien. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils défendent nos intérêts. Puis je trouve ça normal. Chaque nation a la politique de ses intérêts. Le problème, ce n'est pas qu'ils agissent en majoritaire, c'est qu'on n'agit pas encore comme majoritaire, nous autres. Or, pour nous autres, il est important que ce vote stratégique se manifeste, que les Québécois et les Québécoises qui veulent se donner un pays se rendent compte que le seul parti qui en veut un à Ottawa, bien, c'est le Bloc québécois. Et ça, il faut l'expliquer clairement avec tout ce que ça veut dire. On n'est pas contre le Canada, hein? C'est un beau pays, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme la France. Mais on n'est pas français, on n'est pas britannique, on n'est pas allemand, on n'est pas américain, on n'est pas canadien non plus. On ne se donne pas un pays par dépit, on se le donne parce que c'est le nôtre, puis c'est important d'avoir notre propre pays à nous, pas contre les autres, mais pour nous. Et comme Raymond disait tantôt, effectivement, bien c'est bien sûr que les gens du Parti québécois, partout où je vais, sont présents. Mais on a beaucoup de gens d'Option nationale aussi, qui travaillent avec nous, beaucoup de jeunes. Parce que les souverainistes convergent, c'est important de le faire. Il y en a même à Québec solidaire, bon, pas à direction. Bon. Mais bien que Manon Massé a signé mon bulletin d'investiture. Bon, je ne sais pas si elle a signé celle du NPD aussi, ça c'est une autre histoire, mais... j'étais avec Pierre-Carles quand on a rencontré notre candidat à Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, qui était candidat de Québec solidaire. Maintenant, il est candidat du Bloc, son organisatrice, sa doc, vient d'Option nationale, puis l'exécutif, mais il n'y a pas le crête, je ne sais pas si Paul est dans la salle aujourd'hui, mais qui est sous l'exécutif national du PQ, puis la trésorière nationale, qui sont sous l'exécutif local. Alors ça, c'est la convergence. C'est la convergence des souverainistes, c'est ça qu'il faut faire, c'est notre défi dans la campagne. On a, je pense, des différences importantes avec, il faut bien le dire, ce qui est l'adversaire principal au Québec, qui est l'NPD, dont le chef est très inspiré par Margaret Thatcher. Nous, c'est plutôt René Lévesque qui nous inspire. C'est pas Margaret Thatcher. Pas Margaret Thatcher. Et j'ai rencontré beaucoup de représentants syndicaux. C'était le cas à Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Baie-Comeau, Jonquière. On prend le temps de les rencontrer sur le terrain, des représentants de syndicats. Et je peux vous dire qu'il y a des changements qui s'en viennent. Localement, il y a des gens qui appuient et qui vont le dire officiellement, là, c'est planifié, c'est planifié. Et je leur expliquais, quand ils nous disaient, oui, mais nous autres, là, on veut battre Harper. Avec, là. On l'a toujours battu, Harper. Là. C'est pas nous autres qui a fait passer Harper, c'est le reste du Canada. Et ceux qui divisent le vote, c'est les libéraux et le NPD dans le reste du Canada. Qu'ils le battent donc chez eux, on va le battre chez nous et on va se parler. Hein? Si on les avait minoritaires, je peux vous dire qu'on jaserait pas mal. On jaserait pas mal. On jaserait pas mal. J'expliquais aux gens de la CSN que ce raisonnement de dire « vous divisez », mais si les gens de la CSN, quand ils ont fondé le CTCC en 1921, ils entendaient les mêmes arguments, « vous allez diviser les travailleurs ». Ils sont tenus debout et ont fondé la CSN. Alors, quand j'ai dit ça... Parce qu'on était à Jonquière, les gens de la FTQ ont dit « Oui, mais ça divise les travailleurs. » Je dis « Vous autres, là,
Vous êtes battu des années, pour avoir votre voix, pour parler au nom des travailleurs québécois, plutôt que ce soit le CTC qui le fasse. Et vous avez réussi. On est toujours mieux servi par nous-mêmes que de penser que les autres vont défendre nos intérêts. Alors, si c'est vrai dans les syndicats, moi, je vous soumets que c'est vrai en politique aussi. Trompez-vous pas. On a vu Régine Laurent cette semaine, le syndicat des infirmières, qui, elle, là, s'est rendu compte que plus ça va, plus M. Mulcair ressemble à M. Harper. Hein. Il est pour l'équilibre budgétaire à tout prix, même si Kevin Page, le directeur parlementaire du budget, il a dit qu'en période de récession, ce n'était peut-être pas une bien bonne idée, qu'il faudrait peut-être investir, entre autres, dans les infrastructures, parce qu'Ottawa a investi très peu dans nos infrastructures, très peu dans les quais qui leur appartiennent. On a vu ça ensemble, Pierre-Carl et moi. Or, elle leur a dit qu'en santé, M. Mulcair manquait le bateau. Puis, il adhère de plus en plus aux manies pour aux orientations de Stephen Harper. Je dis aux manies parce qu'il ne veut pas débattre non plus. Il y avait un débat au Cégep Vanier, l'alma mater de Thomas Mulcair. Il avait accepté de débattre avec Stéphane Dion et Robert Lipman. Il m'a appelé, j'ai dit « Oui, j'y vais, j'accepte. » Puis là, deux jours après, Mulcair s'est retiré. Les groupes féministes en Ontario avaient organisé un débat. Thomas Mulcair a accepté, Elizabeth May, et puis Justin Trudeau. Ils m'ont appelé, j'ai dit « J'accepte. » Deux jours après, Mulcair s'est retiré. Surtout que je leur avais dit, moi, écoutez, j'ai mieux des débats en anglais qu'en français. Puis je vais vous dire, c'est vrai, là. Et puis, ils vont dire, vous n'avez gagné trois, M. Duceppe, en anglais, pourquoi vous ne venez pas? Why don't you come? J'ai dit, why don't you invite me? Je ne suis pas pour arriver, je ne suis pas impoli, moi. Et je vous dis que j'aimais mieux ça en anglais, c'est parce qu'en anglais, je comprenais tout quand ils parlaient, puis en français, je ne comprenais pas tout. Ah, il faut se rappeler que Mulcair est contre l'austérité de Harper, mais il a voté pour Couillard. Il est pour l'austérité de Couillard. Tous ses candidats, tous ses députés à Ottawa ont voté pour Couillard au Québec. Ils ont voté pour des fédéralistes. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils sont contre l'austérité de Harper pour l'austérité de Couillard. Et on voit qu'ils s'entendent plutôt bien. Hein? Et Couillard n'a pas demandé trop non plus. Hein? Des demandes, on va y rappeler dans ses demandes qu'il en a oublié plusieurs demandes. La lettre s'en vient. J'attends que voir la lettre de Mulcair, voir qu'est-ce qu'il va répondre. Puis nous, on va y répondre. Entre autres, que Couillard ne voulait pas de ministère des Affaires urbaines, mais il ne le dit pas dans sa lettre, Couillard. Mais c'est ce que Mulcair veut, cependant. Or, on n'a pas devant nous un homme de conviction. On pense qu'on a un homme de contradiction et d'ambition. C'est le gars qui est contre les oléoducs dans l'Ouest, mais qui est pour au Québec. Et c'est bien sûr que dans les trois chefs, là, Harper est pour tous les oléoducs de ce monde. Lui, il serait heureux si la planète était un grand pipeline avec deux bouchons au bout. Là. Mais je pense que ce serait le bonheur de Stephen de voir la planète envahie par tous les pipelines. Mais Trudeau et Mulcair, eux, se prononcent contre le Northern Gateway et Keystone XL parce qu'ils disent que c'est pas bon pour l'environnement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, les Premières Nations sont contre et ce n'est pas rentable. Puis ils ont raison. Mais quand ils arrivent au Québec avec le projet de Belle Dune, 240 trains qui vont passer pour s'en aller à Belle Dune au Nouveau-Brunswick, ou NRJS, bien, c'est la même chose, c'est pas bon pour l'environnement. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, les Premières Nations ne sont pas consultées, puis c'est pas rentable. On prend tous les risques environnementaux avec tous les coûts économiques afférents, c'est ça la réalité. C'est pas du pétrole raffiné au Québec, c'est pas du pétrole consommé au Québec. On devient sur une autoroute du pétrole de l'Ouest, c'est ça la véritable question. Or, les députés sur le terrain du NPD, parce qu'on entend parler, ils disent « on n'est pas vraiment pour ». Ils le disent pas fort, parce que Thomas Mulcair, ou Tom, hein, Tom, c'est Tom au Canada, c'est Thomas au Québec, et Tom a dit que c'était « business-minded decision » à l'Economic Club de Toronto, puis c'était un « win-win-win » hein, au débat en anglais. D'ailleurs, ils ne m'ont pas invité à ce débat. Ils n'arrêtent pas de dire que la souveraineté, c'est pas important, puis ils ont pris une demi-heure à parler de la souveraineté. Bon, moi, je pense que c'est le premier débat que je gagne sans y participer. Mais alors, sur tous les dossiers, on voit que
Tom dit une chose et Thomas dit une autre chose. J'étais en Gaspésie, une place qui s'appelle Hope, Espoir, et quelqu'un me disait, on dirait qu'il y a deux gars dans la même personne, Tom et Thomas. Puis là, il me rappelait, il dit, vous devriez parler de ça, il y avait un film, L'Exorciste, tu sais, il faut que tu en sortes. Donc j'ai dit, si vous me comprenez bien, vous me demandez de lui dire, Tom sort de ce corps, tu sais, ça serait plus clair. Moi, je dis la même chose en anglais qu'en français. Or, on voit que Thomas, plus il pense qu'il va devenir premier ministre, bien plus il ressemble à ses politiques, ressemble à Harper. Il est pour absolument un budget équilibré. Là, il va reculer les transferts en santé. Il est pour les pétrolières dans l'Ouest. Ici, il nous dit qu'il n'est pas tout à fait sûr, mais c'est un win-win-win. Puis regardez dans le dictionnaire, win-win-win, ça ne veut pas dire non. Hein? Ça, c'est assez clair. Hein? Moi, je pense qu'il faut avoir la décence de dire les mêmes choses en français et en anglais. Donc, on va amorcer la deuxième phase de notre campagne sous peu avec des propositions très concrètes, chiffrées. Le Bloc, il y en a qui ne sont pas d'accord au Canada, bien sûr, je le sais, mais ils ont toujours reconnu qu'on était très rigoureux. Nos chiffres arrivaient, puis c'était très clair. Et ça va l'être clair encore. On va publier un cadre budgétaire précis, et on va voir si les autres vont faire comme en 2011. Parce que et le NPD et les libéraux, dans leur cadre budgétaire, ils faisaient comme les conservateurs, ils pigeaient dans la caisse d'assurance d'emploi. Là, on va bien voir si c'est la même chose. Hein? Et ça va faire un autre beau débat. Et moi, je pense que ça va faire monter, une fois que la plateforme va être faite, c'est le 7 septembre, rendu public. Là, on aura notre slogan, dont je ne vous parlerai pas, parce qu'il faut que ça reste une surprise. Il va être bon. Avec les photos de nos candidats et de nos candidates partout, parce que la vraie campagne va commencer après la fête du travail. Et là, il y aura les débats. Puis Tom ne pourra pas se défiler, parce qu'il devra répondre à des questions d'un débat. Là, il se disait membre de l'International socialiste. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier, là. Il s'en vantait beaucoup. Au même moment où sa femme était candidate de Sarkozy, ça a dû faire des beaux débats de famille. Elle était candidate en 2009 pour l'UMP, pour l'Amérique du Nord. En tout cas, moi, si Yolande militait au PLQ, moi, vous dire, je l'arracherais pas mal. Mais elle milite pas au PLQ, soyez sûrs de ça. Donc, nous, on va démontrer qu'on a tout à gagner à devenir un pays. C'est pour ça que je suis revenu en politique, moi. Vous savez, c'est pas pour faire une carrière, c'est pas pour me faire un salaire, parce que m'a travaillé gratuitement là-bas. Là. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Fait que j'y vais parce que j'y crois, préparer une relève, puis je crois en ce pays. Un pays mature, exemplaire, un pays pour toutes les Québécoises, tous les Québécois, sans exception. Un pays qui va travailler en plein respect des Premières Nations, rassembleur, ouvert, fier. Un pays francophone, en terre d'Amérique. C'est pour ça qu'on est là. Merci.